Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'ouvrir des ravitaillements. Alors, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'ouvrir les ravitaillements. Donc les ravitaillements, c'est ce qui tombe du ciel. Donc ce soit des caisses bleues ou alors les capsules Corporation comme vous voyez juste ici, ça c'est des ravitaillements. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'ouvrir les capsules, normalement ça devrait fonctionner. Donc ce que vous faites c'est que vous regardez votre map toutes les 2-3 minutes, parce que toutes les 2-3 minutes il y a des capsules comme ça de ravitaillement qui tombent. Donc vous les ouvrez, dès que vous en aurez ouvert 2, normalement ça validera votre défi. Si vraiment ça ne fonctionne pas avec ces capsules de ravitaillement, je vais vous montrer une autre solution. Alors l'autre solution, c'est de trouver le petit bateau que vous voyez qui est juste en face de moi. Donc ce bateau par contre, il spawn aléatoirement dans la map. Donc à chaque partie, il va changer d'emplacement. Donc en fait, les emplacements qu'il va faire, c'est tout simplement tout le tour de la map. Donc moi, ce que je vous conseille pour trouver ce bateau, c'est tout simplement de sauter du bus et de regarder tout autour de la map, voir si le bateau n'y est pas. Donc là, moi je sais qu'il est là, donc boum, ce que vous faites, c'est que vous allez directement sur le bateau dès que vous l'avez repéré. Et vous allez voir que dans ce bateau, il y a une caisse de ravitaillement. Donc peut-être qu'il n'est pas tombé du ciel comme un ravitaillement, mais normalement ça devrait être compris comme un ravitaillement. Donc là, juste ici, vous ouvrez cette caisse et normalement ça devrait valider votre défi. Par contre, ça le validera une fois sur deux parce qu'en fait, vous allez devoir ouvrir 2 ravitaillements. Donc si vous voulez, vous allez devoir recommencer la partie pour revenir ici et réouvrir une deuxième fois la caisse de ravitaillement. Ou alors, vous pouvez aussi aller à la bamboche. Il y a des caisses de ravitaillement dans un coffre, mais par contre, il faut la carte d'accès du personnage, du PNJ. Ou alors, il y a une autre solution. Vous attendez la fin de la partie et là, il y aura des caisses de ravitaillement qui tomberont du ciel à la fin de la partie. Dès que vous aurez ouvert 2 caisses de ravitaillement, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!